est le 31 janvier, il est minuit 40. Je viens de terminer la vidéo de ma première impression sur cette toile. Puis je me suis dit que tant qu'à être là-dedans, ben aussi bien de faire avec vous. Donc je vais vous montrer l'astuce que j'avais vue sur une vidéo de Stitcherista il y a longtemps. Ça fait longtemps moi que ça m'était pas arrivé des plis comme ça. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un exacto. Puis elle vient faire plein de petites coupures dans le trait de colle, dans la bulle. J'en ai jusqu'au bout. Puis ensuite, elle prend un stylet là, de Diamond Painting. Moi, j'en ai un personnalisé, mais vous pouvez prendre un petit rose, là, ça marche aussi. Puis elle vient gratter comme ça. Ça enlève la bulle. Voilà, il n'y a plus de bulle. C'est tout beau. Puis vous pouvez procéder ensuite à coller vos diamants. Donc, c'était la petite astuce du jour. Si ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a aidé, tant mieux. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Bye bye! Rajoute ce petit segment dans la vidéo juste pour ceux qui ont peur que ça abîme la toile. Là, regardez. On voit absolument rien. On dirait qu'il y avait aucune rivière là-dessus. Puis je l'ai gratté ma toile. Mais je l'ai pas gratté comme une folle non plus. J'ai pas pesé trop fort. C'est vraiment juste pour que l'air qui était dans les bulles s'échappe par les petites craques qu'on a faites avec l'exacto là. Il n'y a aucun problème là-dedans. Il y en avait ici, là, on le voit un petit peu, mais il n'y a rien d'abîmé là. Puis même en dessous avec l'exacto là, il n'y a aucun problème. Donc voilà!